Salut tout le monde, bienvenue dans le 28e épisode du Mode à la Mode. Et cette semaine, eh bien, on va s'attaquer au championnat Audi TT Cup, un championnat tout beau, tout frais, tout neuf, qui eh bien, a débuté lors de cette saison 2015. Il n'y en a pas eu avant. C'est pour eh bien, qu'Audi puisse mettre en avant le nouveau modèle de la gamme, le nouveau Audi TT, hein, finalement. Modèle que vous connaissez bien en compétition, hein, puisqu'il a eh bien, participé au championnat DTM au début des années 2000 avec ses livrées magnifiques Red Bull et les livrées jaunes qui étaient absolument immondes. Personnellement, j'ai toujours trouvé cette voiture pas terrible en configuration des thèmes, mais c'est un avis personnel. Alors, revenons à ce qui nous intéresse, ce mode qui est donc plutôt complet. On y retrouve donc les 19 livrées qui ont fait cette première saison de l'histoire de la TT Cup, un championnat qui est principalement disputé en Allemagne, même s'il y a une manche forcément en Autriche, histoire de varier les plaisirs. Les 19 voitures sont là avec les 19 livrées officielles des 19 pilotes, faut savoir ceci. Bon, je me suis un petit peu permis de prendre Eric, le fils d'Eric Van de Poel, hein, voilà, Alexis, le Belge, qui a quand même remporté une course, hein, de toute façon, cette saison. Je crois que c'était en Autriche, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Bref, en tout cas, si vous voulez un peu plus d'informations sur ce mode, sachez qu'il est disponible pour deux plateformes. Ici, à Assetto Corsa, où je vous le teste, mais également en parallèle, R Factor 2. R Factor 2, je n'ai pas encore testé le mode, je vous invite à le faire. C'est disponible de toute façon dans la description et c'est un mode gratuit. En ce qui concerne la voiture en elle-même, c'est un moteur 2 litres qui développe eh bien, pas loin de 350 chevaux et elle fait un petit peu plus de 1100 kg, ce qui est vraiment assez intéressant au niveau du rapport poids-puissance. C'est une boîte 6 vitesses automatique avec un embrayage automatique, donc passage aux palettes ici, pas de pommeau. Un petit boost qui vous permet de dépasser et un truc intéressant sur ce mode qu'on n'avait pas encore vu dans Assetto Corsa, eh bien, c'est ce petit système de LED sur les portières que vous voyez quand vous suivez le Blancpain par exemple ou des courses de GT, même maintenant l'IndyCar. Vous avez en fait le numéro sur le montant de la porte ou sur l'arceau, selon la discipline, qui vous indique la position de la voiture. Et bien ici, ça n'a pas bien fonctionné pour ma part. Je ne sais pas s'il y a un plugin que j'ai manqué. En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Cette voiture, puisque c'est un monomodèle, hein, soyons francs, a été développée, donc, comme je vous le disais, par Tommy78, à qui l'on doit déjà la Seat Supercopa 2014 et 2015 même, également disponible pour R Factor 2 et Assetto Corsa, comme ça on est complet. Et le comportement est assez similaire, alors que les voitures n'ont pas tout à fait le même tableau de paramètres en ce qui concerne le poids, la puissance, etc. Mais ça reste une touring car, ça reste une traction, ça reste une coupe monomodèle et via Tommy78, ce modeur fait du très bon boulot. Je vous incite à tester ce mode qui est vraiment rien que visuellement très appréciable. C'est disponible dans la description bien sûr et on va se laisser avec quelques plans du plateau qui évolue sur le tracé du Nürburgring. Voilà les amis, c'est tout pour ce mode à la mode. Profitez de la fin de cette course.